Bonjour à tous, je suis ici chez Coy Femme Fournier avec Marissa. Bonjour Marissa. Bonjour. Et avec Alan. Bonjour Patrick. Alors Marissa, ça y est, ça va être les portes ouvertes ici, les premières de l'année on va dire en France et en Belgique. Oui, c'est ça. On a fait toutes les préparations qu'on pouvait faire, les coys sont là, ils sont en bonne santé, ils sont prêts à être réservés. Hein. Ce serait un moment normalement très, très heureux et très joyeux. Malheureusement, on a eu un décès dans la famille. Donc le samedi, oui, on va à l'enterrement. Donc le samedi après-midi, Alan, Stan, moi et la copine de Stan, on ne sera pas là. Donc on demande à tout le monde si vous avez des questions. Plus compliqué, si vous voulez faire tester votre eau, tout ça, de peut-être venir à un autre moment. Le vendredi soir, on est ouvert à partir de 16h. Le dimanche, on sera là aussi toute la journée. Le samedi matin, on sera là aussi toute la journée. Donc, allez, on est là pour vous, hein, mais juste le samedi après-midi, ce sera un peu difficile. Bon, Marissa, bon, c'est ton papa qui est décédé. Non, c'est pas mon papa. Non, c'est le mari de la maman de Alan et Stan. Ah, d'accord. Oui, oui. Bon, désolé. Oui. En tous les cas, toutes mes condoléances. Merci. Et ben voilà, tout ce qu'on peut dire dans ces circonstances-là, c'est jamais facile. Bah, c'est jamais prévu, hein. Ça tombe toujours mal, hein, ça. Exactement, mais bon. Il a eu un ACV. Un AVC. AVC. Et le jeudi et le vendredi, malheureusement, on sera là pour notre mère. Hein. Bon, de toute façon, bah, on ne change pas les dates. On reste ici le 28, les premiers jours, donc vendredi prochain ici. À partir de 16h. À partir de 16h, oui. Samedi, dimanche. Samedi à partir de 9h jusqu'à... On va peut-être terminer un peu plus tard, comme nous ne serons pas là la journée, de 13h à 16h. Mm-hmm. Et puis le dimanche, pareil, de 9h à 19h ou même un peu plus tard. Exactement. Alors bon, Alan, déjà, félicitations parce que tu as fait vraiment une très très belle sélection cette année. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir un peu la sélection ici dans les bacs. Vous êtes un des premiers. Hein. Voilà. Et puis, bon, surtout après la quarantaine, hein, puisque bon, les poissons sont déjà là un mois. Donc, oui. Ce qui veut dire que bon. Donc, pendant la quarantaine, nous avons fait beaucoup. Nous avons chauffé l'eau à 20 degrés. Après, Tim Barbier est venu faire tous les tests. Tout est bon, tout est négatif au niveau des virus. Après, des fois, l'eau est encore un peu jaune par le Alparex ou le Omnipur. Ça, c'est un antiparasite. C'est un désinfectant, en fait. Le seul désavantage, c'est que l'eau devient un peu de couleur pas naturelle. Bon, mais c'est pas très grave. En fait, ça ne change rien. De toute façon, on peut toujours mettre les poissons dans un bol. Oui, tout à fait, oui. Alors là, on peut toujours garder les poissons ici jusqu'au mois d'avril, avril. Oui, bah, toutes les poissons ils peuvent rester jusque le 15 mai. Mmh. À partir du 15 mai, nous allons compter 5€ par semaine par poisson. Donc le but, c'est vraiment que vous veniez avant. Et ensuite, vous pouvez réserver des poissons à partir de 50€ pièce. Mmh. Si vous voyez un poisson à partir de 18€ pièce, on peut le mettre de côté aussi. Mais là aussi, nous allons compter 5€ par poisson de plus. C'est ça. Alors bon, de toute façon, il n'y a pas de raison de le faire, hein, puisque bon, on a un hiver doux. Oui, bah, il peut encore venir. Hein. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a un peu de neige qui est annoncée. Donc, Vous, chez toi, oui. bon, il y aura toujours quelque chose à boire et à manger ici. Oui, cette année, on a prévu des pains saucisses, de quoi boire, des bières, des softs. On va essayer de créer une bonne ambiance, hein, malgré les circonstances. Et ouais, donc les coys sont à réserver, le magasin est plus ou moins prêt,
On a envie, quoi. On a envie de commencer. Ah ben oui, c'est le début de la saison. Bon, Alan, de toute façon, ben, pour ceux qui habitent trop loin et qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir se déplacer jusqu'ici, il y a toujours moyen de les réserver et de les faire expédier. Oui. En fait, tous les poissons sont déjà disponibles sur le site. Donc, toutes les Nisei sont et Sansei sont en ligne, mais vous ne pouvez pas encore les acheter. Donc, il n'y a pas possibilité de réserver avant les portes ouvertes. Oui, on va les mettre en ligne après les portes ouvertes, selon les ventes aussi. Et puis, au niveau des poissons de moins d'un an, nous allons mettre en ligne aussi après les portes ouvertes. Je prends tout en photo une fois que les premières sélections sont faites. Et on peut les envoyer à partir d'une certaine température dans votre bassin. C'est souvent 12-15 degrés. C'est mieux de prendre un peu de marge. Hein. Exactement. Mais bon, par exemple, bon, dans le sud de la France, il fait quand même plus chaud que dans le nord. Oui. À ce moment-là, on peut les envoyer tout de suite pour 39€ par carton. C'est ça. Bon, on peut mettre plusieurs poissons dans un carton. Oui, on sait en mettre beaucoup même. Ça dépend lesquels. Parce que bon, les Sensei, on en met moins. Tout à fait, oui. Bon, enfin, c'est un prix abordable, donc rien ne vous empêche de consulter le site internet. Hein. Ce sera à partir de lundi ou mardi. On va commencer à mettre en publication les poissons. Donc suivez ce qui se passe sur... on rappelle peut-être l'adresse du site. C'est koifarm.shop. Koifarm.shop, oui. Hein, facile à trouver. Et bon, il y a tout ce qu'il faut, l'adresse, le téléphone, tout ce qu'on veut. Oui, tout est là. C'est important parce que bon, comme ça, ben, vous pouvez toujours demander des renseignements complémentaires quant à l'origine, mais tout ça sera indiqué sur le site, hein, de toute façon. Donc, voilà. Autre chose à rajouter, Alan? Nous avons fait des améliorations, comme ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais donc pour éviter que les poissons passent par au-dessus la nuit, tout est toujours fermé, comme ça. Voilà. C'est plutôt bien, oui. Bon, ben, c'est comme ça qu'on évolue positivement. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc on rappelle les dates, Marissa. Alors, ce vendredi 28 février à partir de 16h jusque pas d'heure. Oui. Le samedi de 9h à 19h, mais nous, on ne sera pas là le samedi après-midi. Le papa donc, sera là. Le papa d'Alan sera là, Philippe sera là. À Menin, ils seront aussi que deux ou trois personnes. Donc, on sera en sous-effectif. Et puis le dimanche, de 9h à 19h également. Et puis après, on est reparti pour la saison avec les horaires normaux. C'est ça. Alors, bon, profitez qu'il n'y a pas encore beaucoup de coronavirus par ici. On ne sait jamais. Hein. Non, mais il n'y en a pas pour l'instant. C'est la raison pour laquelle, eh bien, moi, je serai là vendredi soir. Merci, c'est gentil. Et puis, bon, c'est pas merci, parce que, bon, moi, c'est un plaisir de venir ici. Ah, au moins, je pourrais discuter avec le papa de Alan. Et puis, nous, on aime bien se voir. Hein, on est de la même génération. Et puis, c'est aussi l'occasion de vous rencontrer. C'est la première porte ouverte ici. On rappelle quand même l'adresse. On est à Loin, ici. Oui, nous sommes à Avenue Labbé Lemire, numéro 250. C'est ça. Facile à trouver. Si vous ne trouvez pas, c'est à 400 mètres de la frontière de Belgique. Donc, souvent les Belges, quand on parle de France, ils pensent que c'est vraiment loin. Mais c'est juste... C'est pour les Belges. Et c'est pour les Français. Pour ils pensent les Français, que c'est pas loin de Lille. Voilà, oui, ils pensent qu'on tombe dans un trou après. Mais non, il y a la Belgique. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, il me reste à vous dit, eh bien, écoutez, soyez nombreux, on vous attend nombreux ici chez à Loin, hein, chez Koifarm Fournier, pour cette première porte ouverte de l'année. Et moi, je dis, ben, n'hésitez pas à faire les déplacements parce que bon, c'est toujours une très bonne ambiance ici. Aussi une occasion de se rencontrer. Moi, je donnerai les conseils à qui veut en avoir pour éventuellement les sélections. Toi aussi, d'ailleurs. Hein, donc, on est là pour vous aider. Et il me reste à vous dire la formule consacrée. En attendant, surtout si vous venez ici, ne soyez pas sages. Salut à tous. Merci à vous. Ciao, ciao. Alors voilà, Alan, premier ball ici. On commence le voyage chez Aoki. Il y a des poissons de très haute qualité. C'est toujours un plaisir d'aller chez lui. Avant, on n'avait jamais vraiment le droit de acheter parce que tout était toujours vendu. Donc cette année, je suis très content.
Alors on peut remarquer une très belle sélection, hein, de très belles couleurs, la chirurgie est vraiment superbe. Hein. Oui, c'est déjà une certaine qualité. Hein. Là aussi, les Doitsu Hariwake, c'est très difficile en avoir. Ça oui, c'est quelque chose, un poisson agréable, parce que ça donne de la couleur dans le bassin. Oui, ici aussi, les Benikigu Kryu de chez Ikarashi Uzumi. C'est complètement différent par rapport à Aoki. Mm-hmm. Ils sont beaucoup moins lumineux, moins métalliques. Ouais, ouais. Bon, encore belle sélection ici. Il n'y a pas que ceux-là, on va quand même dire. Hein. Donc il y a encore d'autres choix dans le bac ici chez Fournier. Oui, on verra bien tout de suite. Il y a plein de choix. Exactement. Alors moi, je dois dire, Alan, c'est que bon, tu as vraiment fait un super boulot parce que bon, il faut dire que ça a l'air comme ça évident, mais ça n'est pas du tout. Non, non, non. Il faut être là au bon moment et c'est pas évident de tout, tout à fait. C'est ça. Alors bon, revenu à temps, pas de coronavirus, hein? Apparemment, non. Alors ici Toujours chez Ikarashi Uzumi, des poissons un peu moins courants, les Kinshoa. On voit de plus en plus au Japon. Mm-hmm. Et puis un Ginga. Il y a vraiment beaucoup de poissons particuliers. Si quelqu'un recherche un poisson particulier, il faut venir voir aux portes ouvertes. Le Goshiki, là, évidemment, tout le monde est toujours amateur de ça. Oui. Bah, ils sont loin de finis, mais les éleveurs, ils choisissent toujours ceux qui sont plus clairs. Et les clients, ils aiment bien ceux qui sont déjà foncés, mais ça ne veut rien dire. Oui, mais de toute façon, avec les eaux dures qu'on a chez nous, en général, le sumi sort assez rapidement. Oui, au bout d'un an ou deux, c'est vraiment noir. Ah. Là aussi, des goshiki d'une qualité un peu plus élevée, aussi des tarifs un peu plus élevés, mais on ne pouvait pas résister de ne pas les prendre. Bon, écoute, après, il n'y a pas de secret. Hein, au plus la qualité monte, en général, le prix suit avec. Hein. Oui. Malheureusement, on va dire. C'est le marché, hein. Exactement, l'offre et la demande, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Non. Alors bon, on a ces goshiki ici, il y a évidemment de très belles patterns. Oui, 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 tout à fait. Ici des Benikikukuryu de 3 ans, il y a deux femelles et un mâle. Ce sont donc des poissons de 3 ans. Et puis, à peu près Le plus petit 43, le plus grand 56. Mm-hmm. Celui-ci, il a même un petit cœur, c'est un poisson Saint-Valentin. Bon, c'est passé. Hein. C'est passé, mais ça reste un poisson Saint-Valentin. Hein. Ouais, on ne peut pas le réserver jusqu'à la prochaine Saint-Valentin quand même. Hein. il est à vendre. Il est à vendre. On le mettra en réserve, hein, ou bien vous faites un Saint-Valentin précoce. Tous les jours. Hein. Exactement, vaut mieux faire 364 jours la Saint-Valentin. C'est ça. Et puis passer chez Fournier, hein, pour aller voir un petit peu ce qui se passe et déjà commencer à anticiper la Saint-Valentin, justement. Il y a ici. Ensuite, dévoilé de chez Yamazaki. Je pense que là, nous sommes passés au bon moment. Nous avons réussi à avoir plein de femelles. D'habitude, il y a vraiment beaucoup de mâles. Et ensuite, les voiles sont bien faites, il n'y a pas trop de défauts. Mm-hmm. Et en Iutsuri, c'est pas évident d'en avoir non plus. Hein. C'est 10 size, ça. Oui, une taille entre 35 et 43 cm. Bon, il faut dire aussi que les voiles, ça présente bien une fois qu'ils commencent à attraper à certaines tailles. C'est vraiment très élégant dans un bassin. Bah, c'est surtout grâce à Marissa que nous avons acheté plein de voilées. Moi, je préfère un peu moins. Mais c'est sûr qu'il faut avoir des poissons pour tout le monde. Hein. Exactement. Alors, suivant. Toujours des voilées, donc des Showa, des Sankei, on peut en avoir maintenant, même les Ochiba. Mm-hmm. Avant, on ne voyait pas. Hein. Je pense que Yamazaki, il a amélioré la qualité des voiles et la queue mm-hmm. par rapport à avant. C'est ça. Mais bon, il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait du voilé au Japon. Très peu, même. On peut acheter chez Suda et chez Yamazaki, mais chez Suda, on voit rarement des Nisei. Mm-hmm. Donc, c'est très bien pour M. Yamazaki, hein, pour Manobu. Oui, je dirais quand même, en plus, ben Yamazaki n'en fait pas assez. Yamazaki a changé un peu la façon de travailler. Au lieu d'avoir beaucoup de petits koi, bon marché,
il a fait plus de sélection, donc il a gardé une meilleure qualité pour les faire grandir un peu plus. Et pour le marché évolue et je pense qu'il a bien évolué avec. Mmh. Alors ici, Kinki. Kinki Utsuri, Kinki Utsuri et puis Jinshiru Utsuri. Mm-hmm. Ça aussi, c'est un poisson très difficile à trouver. Mm-hmm. J'ai regardé pendant des heures dans les bassins pour sortir que 5-6 pièces. Mm-hmm. Donc, là. Quel éleveur ? Yamazaki toujours. Yamazaki. Bon, déjà une taille ? Autour de 40 cm. Bon, Nisai, quoi. Oui, oui. Alors, pas eu trop de problèmes avec le cours du yen ? Je pense que le yen est fort et le euro est un peu moins fort, mais ça varie dans les années, hein, c'est comme ça. Ah, du goromo, goromo, ça fait toujours plaisir à pas mal de gens. Oui, avec un pattern comme ici, c'est aussi très rare. Ce sont tous des mâles. Mais de très bonne qualité. Hein. Ce sont des poissons un peu plus chers, mais je pense que si quelqu'un cherche un beau Aigurumo, vous pouvez venir voir. Et ensuite, des Ochiba en Tancho. Mmh. Ça aussi, c'est pas évident à en avoir. Non. Toujours Yamazaki ? Chez Ufuchi. Ufuchi. Oui. Alors, toujours aussi sympathique, Ufuchi. Toujours pareil. Ah, il faut connaître ces deux personnages, hein, ces deux frères. Hein. Oui. Alors là, on reste dans le Nisei. Toujours des Nisei, cette fois-ci de chez Marusei. C'est aussi toujours un plaisir de rentrer chez Hirasawa. Avec un peu de chance, on peut sortir dans les quatre premiers bassins des très beaux poissons. Mais c'est très difficile car il y a plusieurs mille poissons par bassin. Donc ça prend un peu du temps. Ouais, c'est pas simple. Bon, c'est surtout de sortir vivant. Parce que comme on cause sur des planches, là, c'est pas toujours facile. Hein. Tout à fait. Je pense qu'il y a des gens qui tombent des fois dans l'eau. Ici, vraiment très propre. Hein. Oui, c'est aussi grâce à Marissa. Quand j'ai fait des vidéos des poissons, je sors tellement de Iutsuri, j'avais pas encore fait attention qu'il y avait tellement de Iutsuri, donc je suis plutôt content, oui. Oui, alors il faut dire aussi que ce sont des poissons qui font très peu de semi-spot, hein, si chez Hirasawa, du moins dans ces lignées-là, quoi. Alors ici... Des Asagi aussi de chez Hirasawa. Eux, c'est très difficile à prendre une photo, une vidéo de Asagi car ils sont très vifs. Chusui, c'est pareil. Et ce chusui, ils font entre 45 et 50 cm. Donc, pour des poissons de 2 ans, c'est vraiment une belle taille. Mm-hmm. Nous avons payé un transport un peu plus élevé car nous avons que mis 6 poissons dans un box. D'habitude, on peut en mettre 8. Mais. Faut voir au bout de quelques années, hein, parce que s'ils font déjà cette taille-là, au bout de 2 ans, dans 5-6 ans, c'est des poissons de 60, 80, voire plus, bien nourris. Absolument. Toujours Hirasawa ? Oui, oui, oui. Là, des Kigoi, Karashigoi, un Shagoi. Le Shagoi fait 56 cm, donc c'est énorme, hein, pour un Nisei. C'est ça, bon, ben, toujours très propre, hein, aussi, Shagoi. Donc, Karashi aussi, ça c'est un poisson qui évolue différemment. À savoir que bon, c'est un poisson qui fait le body seulement après 3 ou 4 ans. Hein, Bah, ça dépend un peu la nourriture aussi. Hein. Mm. Si c'est mâle ou femelle, ici des sanké de bonne qualité. Et puis ensuite plein de showa. Je ne pouvais pas résister à ce type de showa. Mm-hmm. Je pense qu'on en a pris peut-être 40, 50. Tous les koi sont en ligne, donc si vous venez de loin, vous voulez avoir une idée quel type de poisson nous avons, vous pouvez voir avec toutes les tarifs, les informations, mâles, femelles, les tarifs. Bon, tout ça on retrouve sur le site, évidemment, qu'on oui, rappelle, oui. Hein, Koi Farm. Koi Farm Shop, Koi Farm.shop. Koi Farm.shop, facile à retenir et puis voilà. Oui. Nous avons, surtout mon frère et ensuite Marissa, on fait pas mal d'améliorations. Donc je pense que ça sera un nouveau site avant les portes ouvertes.
Ah non, pas avant les portes. Après les portes ouvertes, on essaie toujours d'améliorer. C'est ça. Alors bon, on va rentrer dans la dispute de famille, hein, parce que bon... Chacun a son travail. Hein. Exactement. Et puis après, est-ce qu'il y a toujours moyen de les expédier? Oui, oui. Donc on peut de partout en France. Hein, oui, on fait pas mal d'envois. Le prix a augmenté un peu, mais ça revient toujours moins cher les envoyer par, ou venir chercher vous-même si vous venez de loin. Hein. Oui, ça dépend d'où on vient, évidemment. Si vous êtes à Lille, ça va vite. Hein. Oui. Donc on est à combien de Lille ici? Combien de temps? 39, oui. 39 euros par carton. Ah, 39 euros, ça c'est le prix, mais on est à combien de temps de Lille ici? Ah, à 20 km au-dessus de Lille ici. Voilà, 20 km de Lille, donc facile à trouver. Oui, juste à la frontière belge et à 1,5 km de l'autre magasin, donc c'est le bon moment de visiter les deux endroits. C'est ça, on est à loin ici. Ensuite, des Matsuba, Kimatsuba, Kenmatsuba. Les Kimatsuba viennent de chez Maru Hiru. Ça, c'est donc le frère de Marusei. Mmh. Il fait aussi de très bonne qualité. Des Ginrin Akamatsuba. C'est très difficile à en avoir. C'est ça, alors toujours Maru Hiru. Maru Hiru, oui. Bon, c'était pas le bon moment pour aller faire prendre un café sur la terrasse, là. Où ça? Ben chez Maru Hiru. Comment Ah, d'habitude, quand on y va au mois de novembre, on prend le café sur la terrasse. Ah, c'est vrai. Ah, ça c'est quelque chose qui plaît normalement, hein, les tanchos. Les tanchos, oui. Donc nous avons demandé, avec un budget, certains poissons à Maru Hiru. Et ensuite, il nous a proposé des tanchos. Là, le plus gros tancho fait 52 cm. C'est un sansei. Et toutes les autres, donc là, le plus gros, et toutes les autres, ce sont des nisei. Bon, alors, il faut rappeler que Maru Hiru, c'est l'éleveur avec le fameux bassin rond. Oui, c'est ça. Et un bassin très connu. Avec, évidemment, des grosses pièces là-dedans, c'est impressionnant. Oui. Mais bon, ce qui veut dire que tous ces poissons ont du potentiel. Bah. Dans le bassin rond ou ici bon, dans nous C'est les mêmes lignées. Hein. Oui, oui, oui. Bah, c'est pas les mêmes budgets, mais je pense que dans le fameux bassin rond, il y a pas mal de poissons vendus. Mm-hmm. Donc, il prend bien soin. Bon, après, là-dedans, il y a des poissons très chers. Hein. Oui, on veut les avoir, mais on ne veut pas les payer. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est quelque chose que Maru Hiru a présenté. Un budget un peu plus élevé par rapport à Yamazaki pour les Jinshiro Utsuri, mais le blanc est encore plus métallique. C'est ça, un beau Shiroji, ouais. Oui. Là aussi, des Nisei d'une belle taille. Le Benikoi fait un peu au-dessus de 50 cm. Le Ginrin Showa est de très bonne qualité, un beau pattern. Ils nous ont vendu ce poisson pour mettre dans le mud pond, pour faire grandir, mais je pense que allez, tout est dispo, tout est à vendre. Et 6 mois de mai, il y en a encore dispo, on va les mettre dans les étangs. C'est ça. Bon, bah, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Alors maintenant, Alain, on passe au Tosai. Oui, donc les poissons nés l'année dernière. On commence chez Yamaju, les Ginrin Asagi, les Chusui avec une tête bien claire. Yamaju est spécialisé dans 4-5 variétés. Voici les Doitsu Uchiba. Un beau Doitsu Uchiba de belle taille, ça sort un peu des autres variétés. Ça c'est une nouvelle variété, un croisement entre un Kujaku et un Goshiki. C'est à quoi comme nom? Bah, pour certaines, c'est Beniginga, mais je pense que chez Amaju, si je ne me trompe pas, ce sont des Kachu. Mm-hmm. Un peu comme style samouraï. Ensuite, chez Wada, des Kabuto, des Mukashi Ogon. Chez Wada, on fait depuis 5 ans du beau business maintenant. Ouais, bon, lui, évidemment, il a de très belles pièces aussi. Oui, ça existe depuis très longtemps, cette ferme. Et puis c'est la nouvelle génération. C'est un architecte qui a fait des études à Tokyo, mais il a repris la société, le Koi Farm. Tu n'as pas pris des Kirin? Très peu.
si quelqu'un cherche un Kirin, il faudra demander. Il y a peut-être une dizaine de pièces. C'est ça. Alors, Kirin, bon, un poisson emblématique pour lui, hein, puisque bon, il avait dit que c'était en fait sa marque de bière préférée, mais en réalité... Voici les Kirin, il y en a un petit peu, oui. Mais en réalité, ça fait appel à un, comment je dire, un monstre emblématique de l'histoire japonaise. Voilà, ici, du Showa. Oui, donc les Showa, cette année, nous avons opté pour les Showa de chez Kaze. C'est donc le croisement entre le fameux Dainichi et Sekiguchi, mais à un prix un peu plus abordable par rapport à Dainichi. Donc c'est un gros avantage. Bon, ça, c'est pas difficile d'être plus abordable par rapport à Dainichi. Hein. Tout à fait, oui. Bon, après, Dainichi, ça reste Dainichi, évidemment. Oui, oui, oui. Si quelqu'un a les moyens, faudra prendre chez Dainichi. Hein. Ouais, exactement. Donc les Showa, nous avons pas mal de différentes qualités, pas mal de différents prix. Ça commence, pour tout notre assortiment de Tosai, ça commence à 18 euros les plus petits, les moins chers. Et ça monte à 120 euros, voire un peu plus pour certaines. Enfin bon, ça reste accessible. Ça. Oui, oui, pour tout le monde. On avait eu du Kohaku avant, Kohaku Sanke ici. Des Kohaku de chez Iwashita, donc très abordable par rapport à d'autres éleveurs encore. Voici des plus petits Nisai de chez Yamazaki. Donc il s'agit tous des Karashigoi en toutes sortes de couleurs différentes, des voilés. Oui. Donc ce sont des poissons. Ils sont toujours restés à l'intérieur dans des bacs en béton. Mmh. Ils ne sont pas sortis pour aller dans le meute ponte. Et là, pareil, de chez Maru Hiro, donc des tailles de 20 cm à peu près pour des koi de 2 ans. Bon, c'est bien, 20 cm. Bah, l'avantage, ils peuvent mettre plein de koi dans un carton, donc l'envoi est un peu moins cher. Donc le prix final sera moins cher aussi. Par rapport à un Isai normal, oui. Mais après, c'est un peu selon la qualité. Hein. Voici des Jumbo Tosai de chez Shintaru. Donc eux, ils font plus grand, entre 25 et 30 cm pour des poissons de moins d'un an. Mm-hmm. C'est assez grand. Et ensuite, nous avons pris en début d'année. Hein. Mm-hmm. Donc les Super Red Karashi. Donc ça, c'est une nouveauté chez Yoshiyuki. Marusei. Marusei, oui. Parce que Yoshioki, Marusei, oui, Irazawa, ben, les gens ne s'y retrouvent plus. Hein. Donc c'est à chaque fois le même éleveur. Yoshioki, en fait, c'est le prénom. Oui. Ensuite, nous avons... Je sais que mon père aime bien les koi un peu métalliques. Donc cette année, on a fait le plein avec des koi métalliques. Des Doitsu Ariwake, Benikikukuryu, des... il y a des koi de chez Kase, Aoki, voici Marusaka. Je pense qu'en tout, nous avons pris chez une dizaine d'éleveurs. Ici, un peu de Aoki. Et ça, c'est les Kase. Donc, c'est toujours des prix très abordables. Exactement. Alors, il faudra prendre son temps pour faire la sélection là-dedans. Oui. Vous pouvez demander notre avis aussi. Hein. Ça, c'est chez Iwashita. Ça, c'est pour moi un nouveau éleveur. Mais il fait des beaux koi et surtout, c'est une belle taille. Bon, apparemment Iwashita, bah, ça a plus duré trop longtemps. Donc, il va arrêter, le monsieur. Bah, je pense que il va... Au bout de 5 ans, peut-être. Après 5 ans, il va arrêter, oui. Il y a toujours de très belles pièces, là. Oui. Avec une très belle vue sur... Oui, tout à fait, oui, dans les montagnes. Ouais. Je pense que c'est la région Yamakoshi. C'est ça. Voici... Belle photo à prendre, là. Chez Kaze, donc, il y a toutes sortes de Uchiba Shigure, de Pearl Scale ou des voilés ici, de chez Suda. Pearl, ça peut être très joli aussi quand on a un poisson qui grandit. Hein. Bah, si ça reste, si ça tient la beauté, ça peut devenir beau, oui. Alors ici? Ici, nous sommes chez Yamanaka. Ouais. Donc nous avons vu
Midorigoi, Ayawakaba, des Kujaku, très lumineux, des Kujaku, avec un beau Fukurin. Mm-hmm. Ah, voici les Midorigoi. C'est un koi assez intéressant, je trouve. Yamanaka fait aussi des très beaux shiro. Oui, nous avons aussi les shiro de souris de chez lui. Et les Yamabuki ici. Je pense que la plupart des Yamabuki sont lignés de Izumiya. Mm-hmm. Ici, on voit quelques shiro de souris. Très gentil monsieur Yamanaka. Oui. Ensuite, Goshiki chez Kano. Avec du Ginrin. Il y en a certaines, oui. Voici les Goshiki moins chers, même bon marché. Donc, nous avons pas mal de choses pour le Tombola. Pour ces portes ouvertes ici. Pour ces portes ouvertes. Donc, à chaque fois que vous achetez pour 50 euros, il y aura un ticket dans le Tombola pour tous ces attributs japonaises. Et ensuite, il y aura aussi des bons d'achat pour des koi. Et ça, c'est une bouteille de saké, de koi. C'est chouette.